Les copains, j'ai trouvé un truc mais rarissime. Waouh, je suis refait. Depuis le temps que j'en cherche un, je vais l'accrocher au sac, je vais m'alourdir de je sais pas combien. Oh, putain, il est juste là. Oh. Putain. Yes. Ouh. Oh gros, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, gros. Chers amis, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en montagne, accompagné du Ban, la chaîne. Bonsoir. Comment il va? Il va parfaitement bien. Il va parfaitement bien, le Ban, la chaîne. Ça peut que aller bien. Oui. Avec ce matériel dernier cri. Matériel dernier cri. Vous voyez ici, qu'est-ce donc? Je fais tester aux parrains de la chaîne mon nouveau sac Osprey, c'est le tout dernier sac de chez Osprey, c'est le Exos Pro 55. Pour l'instant, à l'heure où sort la vidéo, il est disponible que sur le site Osprey Europe. On a été quelques créateurs de contenu à pouvoir l'avoir en avant-première pour faire des premiers tests. Il ne va pas tarder à sortir en magasin, donc en physique, et sur d'autres magasins revendeurs. Bref, du coup, je le fais tester à Yaya, parce que Yaya, cet été, a un petit projet de trek. À côté du mien, malheureusement, parce que du coup, il ne pourra pas m'accompagner cet été en vue de mon projet à moi. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour passer 2 jours en montagne. On se retrouve une fois de plus dans les Monges, où je suis parti la semaine dernière déjà. C'est un endroit où j'adore m'entraîner. On est déjà venu avec le parrain de la chaîne plusieurs fois, c'est un beau coin, il y a des animaux, il y a du beau décor, il y a du beau dénivelé, etc. Donc c'est génial. Et en plus de ça, est-ce qu'il n'y aurait pas Nao avec nous? Bonsoir Nao. Nao sans contre-car de vous voir, clairement. Pareil Nao, toujours son petit sac à dos à lui. C'est pas un sac Osprey, c'est un sac Kurgo. Merci Top Animal, Jean les mains, ils équipent Nao donc pour partir avec moi en rando, en trek. Donc petit harnais, on va dire, avec 2 poches. Il porte ses croquettes, il porte ses petites friandises. Du coup, moi, ça me fait du poids en moins à porter dans le sac à dos. C'est la bombe. Un petit P du Pan. La chaîne, c'est gratuit. J'ai pas pris le gros micro, peut-être qu'on l'entendra pas. Je suis déçu si on l'entend pas. Prochain, je le ferai un petit peu plus fort. Belle petite marche, on va pas marcher non plus des masses. 20 bornes en 2 jours, c'est vraiment détente. Il fait beau, demain il fera un peu moins beau. Donc. Nouvelle paire de lunettes de chez Millet, c'est la folie. Tout le monde se l'arrache. Vous n'avez pas encore dispo en physique. Exclusivement chez Millet. Let's go. Problème là, hein. Ouais, on est sur une tangente quoi. Petit nouveau couvre-chef de la part de Pan la chaîne quand même. Allez, vas-y, fais-nous un bon ponton là. Oh, tu l'as fait. Oh, c'est beau. Non, un peu plus loin, gros, ça va casser un peu mieux. J'ai plus confiance vas-y, comme ça. Allez, c'est bon, c'est bon, tu y es là, wow. C'est beau ce que tu fais. Waouh! J'ai failli faire 2 fentes. J'ai failli me faire 2 fentes. On voit quand même qu'il y a une prise de masse. Hein. Ah, alors? Ouais. Est-ce que le t-shirt est bien plein? Ouais. Bah, je t'ai pas reconnu en arrivant de toute façon. Oh, yes, let's go. Putain, je suis trompé de baraque. Ouais. Bienvenue chez Willy Jump, Willy Wumper. Ça va, Nao? Ouais. Tu peux en aller voir?
on en est là. Comment on pourrait résumer cette sortie? Sans nom. Tu sais, des fois, à l'époque, quand t'allais dans ton, dans tes dossiers MP3 pour écouter la musique et tout, ouais. Il y avait sans nom. Le dossier sans nom. Inconnu. On est clairement dans cette thématique-là. Sortie sans nom. C'est une sortie sans nom. Alors, pourquoi c'est une sortie sans nom? On s'est posé, là, faire la pause midi. C'est 16h. Et on va devoir passer encore des barbelés. Et on a des barbelés à passer encore. Non, on a fait une pause midi qui a duré 2h30. On a traîné, on a blagué pendant 2h30 à peu près. Il y a des chances que, à cause de ça, on se retrouve à devoir marcher de nuit pour atterrir à la cabane. Allez, c'est reparti. Bon, je tiens aussi à vous préciser que dans cette vidéo, on va parler un petit peu de matériel. Matos, forcément, pour cet été. Petit retour rapide sur le Exos Pro 55 de chez Osprey. Quoi d'autre niveau matos? Petite banane de chez French Light Outdoor. Fabrication française. Waouh. Oh, comme je l'aime. Petit bob. Petit retour sur le bob. Je vais en parler de ce bob. Ouais, j'avoue qu'il m'a un petit peu conquis. Là, sur moi, j'ai un sac à dos de chez Heiberg. Heiberg, si vous préférez, in French. C'est un sac sans armature, très léger. Il n'y a aucun rappel de charge. Ouais, voilà. Je pense que s'il avait eu le rappel de charge, ça m'aurait moins... ça aurait tendance à tirer un peu sur le sac et pas sur la bretelle. C'est ça, ici, là. Donc là, ici, j'ai le Peak Design. Je l'accroche dessus et vu qu'il n'y a pas de rappel de charge, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça tire, ça fait très mal au trapèze au bout de même pas une heure de marche, hein. Donc du coup, malheureusement, je me le trimballe à la main. Donc du coup, après photo à la main, marcher avec un bâton, moi ça me plaît pas plus que ça. Donc là voilà, je me suis un peu foiré sur ça. Ça arrive de se foirer, hein. Donc ben voilà, j'en fais un petit peu les frais. Quand on va y avoir beaucoup de dénivelé négatif, malheureusement, ben, je vais l'avoir à l'épaule, ça me fera un petit peu mal. Mais là, par contre, je vais utiliser mes bâtons, obligatoirement. Donc voilà, ça, c'est des petites choses importantes à savoir. Je sais que cet été, du coup, je partirai pas avec la 7-4, c'est sûr. Il vaut mieux que ça t'arrive pendant un petit week-end tranquille à maintenant, côté de chez toi, que lors de ton projet. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est le genre de sortie, là, en ce moment. Mars, avril, mai, jusqu'à mi-juin, où je vais tester plein de choses, du coup, faire plein de retours sur plein de choses. Il va y avoir beaucoup de blabla, hein, je suis désolé. Mais je pense que la plupart des gens aiment beaucoup, quand même. Les retours sur du matos, où je vais vous donner des conseils, moi, mon avis sur pas mal de produits, dans un cadre idyllique, on va dire. On a de quoi vous dire, hein. On a de quoi blablater, ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé un truc mais rarissime. Waouh, je suis refait. Depuis le temps que j'en cherche un. Et en plus ça devient un animal rare chez nous. Bon, je suis dans le gaz, hein. C'est raide que ça en peut plus. Il y a un crâne de mouflon accroché sur un arbre au bord d'une barre. Là. Waouh.
ici là. Oh. Si je glisse, c'est bon. Oh. Je vais l'accrocher au sac, je vais m'alourdir de je sais pas combien. Oh. Ah, je vais passer par là. Oh, putain, il est juste là. Bon, c'est le genre de... le cadeau de la nature qui se mérite, mais... J'y suis. Let's go! Let's go! Il est là. Oh. Yes. Oh putain, si je tombe là, fait chier. Allez. Ah ouais, mais gros, il est énorme. Gros, il est... La corne, elle revient sur elle. Putain, c'est un putain de mal. Putain. Yes. Ouh. Oh gros, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, gros. T'es mal, mouflon. Wesh. Oh, gros, je suis sur le cul. Je suis bloqué, par contre. Ils sont quand même très très forts. Wow. Putain, je pourris l'objectif. Je suis dans un état pitoyable, mais c'est pitoyable dans lequel je suis. Ça sent un peu le chacal, hein. On repart. Je me suis chargé de 6 kilos de plus. Avec cette putain de tête. Il y a du pu. Il n'a pas fini de se décomposer le truc. On dirait pas un chasseur qui redescend là de sa petite montagne. On y va non? Let's go. Let's go. C'est minable. Oh putain. Il est droit? Ouais, non. Il est pas droit. Pas du tout. Il y a les chicots encore, hein. Putain, les copains. Même pas où il est, ce truc. Oh. Oh la vache. J'ai un sac sans armature, minimaliste. Je me suis chargé là d'une tête de mouflon. Ça pèse un âne. Bon, c'est... elle est incroyable, hein. Ça pue. Ça suinte sur le sac. Ouah. On est dans un endroit qui est pas très facile d'accès, donc centre de gravité qui bouge un peu, et ensuite on va remonter en face là-bas là, plein fer. Donc là je me suis complètement mis les gros bâtons dans les roues, clairement. Ça rend bien le pan de la chaîne de derrière. Ouais, ça rend super bien. Ça fait vraiment Charling Gals, quoi. Ouais. Nouvelle génération. Ouais, d'accord. Allez, on continue. Ah oui, j'avais oublié de te préciser. Oui. Il y a un petit passage à la corde là. Ah, petit passage à la corde. Ouais, petit passage à la corde. Allez, on va ranger l'appareil photo. On va mettre les bâtons surtout. Et pas faire les cons. Ça va? C'est bien là-haut. Allez, on y va. Je viens de passer un petit passage là un peu pas joli, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, j'ai le crâne. Il t'intéresse toi, hein. Tu l'auras pas, hein, je te l'ai dit. Oh. Oups. Oh putain, quelle aventure là, gros. Là, c'est l'aventure là, hein. L'aventure, c'est l'aventure, hein. Et l'aventure, grande aventure. Petite aventure. Ah là, c'est... ouais, petite aventure, bien comme il faut. Eh mon petit, allez.
Eh ben les copains, on est un petit peu dans la caca, ça y est. Bon, comment vous expliquer? On va monter tout doucement derrière moi là, sur les crêtes de la fumée. Moi je vais monter avec mon mouflon fumé derrière moi, il me scie le dos. Mais bon, je le veux, donc je me la ferme, j'assume et let's go. Crête de la fumée, on est à Val-Haut ici, 1180 mètres. On monte aux crêtes de la fumée, 4 km, 2h15. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh là 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 là. On va pas tarder à faire nuit. Nao, il est un peu mort. Je connais ce chemin là. On va se faire casser en deux là. Tu vas le faire, c'est dans la tête. Avec Gaston le mouflon derrière moi là. Bonjour. Deuxième jour, waouh. Un peu compliqué ce matin. Le parrain de la chaîne est en train de se délester. Voilà. Bon, on a bien dormi. Pas beaucoup. On est arrivé à la cabane hier soir à 21h. Belle marche de nuit. C'était difficile quand même. Hein. Il y avait du vent, c'était compliqué. Bref. Voilà. Donc on a dormi à la cabane. Ce matin, j'ai bouffé comme un porc parce que j'avais besoin d'énergie. J'ai un mal de tête. Déshydratation sûrement due au Ricard. Là ce matin, on rentre à la voiture. On a à peu près 2h30, 3h de marche. Allez, 3h de marche. Mais du coup, aujourd'hui, on va un petit peu parler de matos, de ce que Yaya pense, de ce que je lui prête, etc. Ah, bonjour. Viens en haut. Viens, bonjour. Bonjour. Bonne chaîne. T'as fait une petite balade matinale. Les gens sont au courant. Ok. Je vais poser deux marmottes. Alors ? Ouais, c'était sur du 40-20. Tu blagues ? Wow. Ah, j'en ai pas. En 4 secondes là. 4 secondes. Pour que les gens soient au courant et qu'ils fassent pas n'importe quoi. Oui, dis-moi. Comment on fait ses besoins en montagne et comment on les reste propres ? Voilà, c'était pas facile, il y avait pas de cailloux. Mais sinon, ma petit popo, cailloux sur le popo, et on brûle son petit papier. Voilà. C'est la possibilité de creuser en enterre. Si on peut creuser un petit peu, ben, en enterre c'est encore mieux. Voilà. Mais là, c'était compliqué. Pour le brûlage, attention, faut pas être con. Ouais, attention. Voilà, tout simplement. Mais bon, j'ai gardé un petit bout de gigot dans le fond quand même. On y va, Nao? On y va? Oui. Oui, petit bibi. Allez, on y va. Là, j'ose pas trop péter pour l'instant, par contre. D'accord, super. On se fait gros un petit... Dis-moi. Blabla matinal. Petit blabla matinal. Pas trop proche, pas brosser les dents. Ouais, moi non plus. Voilà. J'ai Gaston dans les mains, donc pas trop proche non plus, parce que ça pue tout court. Est-ce qu'on se ferait pas un petit rapide retour sur ce que tu penses du petit sac à dos que tu as sur le dos? Ouais, c'est sûr. C'est une merde. Voilà, merci Osprey. Merci Osprey. Bah écoute, bien, très bien. Portage, bon bah Osprey, rien à dire, franchement au top. Ouais. Toujours des petits défauts que moi je vais trouver, peut-être que d'autres non, hein, mais les systèmes, on va dire, de voilà, ça se desserre, mais d'accord. Juste touc, c'est ouais. Desserré. Le système de serrage en haut du sac, pareil, à peine tu touches, touc, ça se desserre. Bon, est-ce que c'est vraiment un problème? Non. Après, confort de portage extraordinaire, ceinture, mieux que sur mon Stratos. Ok. Pourtant, le clips est plus petit, mais je sais pas, le... Les sangles en elles-mêmes. Ouais, les sangles en elles-mêmes, le système, je sais pas si vous voyez, mais entre mon dos et le sac, ça respire vraiment bien. Ouais. Moins que sur le... plus que sur le Stratos. Les grosses poches sur les côtés, là. Pff, fantastique. Ça, c'est ouais. ça. Enfin, il y en a, ils vont dire, ouais, mais ma gourde, du coup, elle ballotte un peu dedans. Ah, tu la cales avec quelque chose à côté, quoi. Mais ouais. Elles sont fantastiques. Ok. Mais pour moi, faudrait un litrage un peu plus petit. On est d'accord. Ouais, voilà. 55 c'est trop. Il faut un 40 ou un 45, c'est fantastique. Là ça sera ouais, vraiment là, ça sera le sac. Après franchement le sac à dos, mais c'est une bombe.
On est d'accord, hein. Bien. Ouais, rien à redire. Très 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 bon retour du point de la chaîne. Très bon retour. Voilà, après ça fait juste 24 heures que tu l'as sur le dos. Ouais, mais moi je me suis quand même farci une sacrée descente, une sacrée montée. Ouais, ouais. Une vingtaine de bornes avec. Ouais, non, c'est bien. Un sac, si tu ne plais pas, il ne te plaît pas d'entrée. Hein. Je suis d'accord. Ah! Laisse-moi, mon petit. On arrive là, là, petit ruisseau, plus d'eau. Donc on fait un petit stock d'eau, bien évidemment, Gourdoco. Parrain de la chaîne a découvert, il est ravi, c'est pas vrai, je vais pas demander. si, il aime bien, c'est sympa comme produit. Je saigne, allez, on charge l'eau et on trace parce que du coup, faut qu'on avance un petit peu quand même. Fermé, vous dorez le goulot, vous passez sous le mousqueton, tac, ici il y a deux clips, vous assurez que ce soit tiré, et voilà, on est bon, il y a un débit de fou, hein. La bombe, si vous êtes intéressé, vous avez un lien dans la description, du code promo, tout ça, c'est cool. On repart ? Allez, let's go ! On arrive à un petit emplacement là où je sais qu'il y a souvent des chamois. Et ils y sont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, voilà. À peu près 25 chamois en même temps, ensemble. Prendre la chaîne, est-ce que ça te plaît? Ouais, c'est incroyable. C'est beau, hein, ah, franchement. Ouais. Là, comme ça, là, à 50 mètres de nous. C'est beau, hein. C'est un beau pays, les monges, moi je vous le dis. Ah, c'est incroyable, les bestioles qu'il y a ici, quoi. La classe, hein. Ouais, franchement, c'est beau. Et très bonne gestion de la part de Nao. Il est là, parce que moi, Nao n'est jamais en laisse, hein. Il est là et les chamois ils sont là. Alors, attention, je dis pas que c'est le chien parfait. Il a tendance à partir, hein, dès qu'il voit un animal. Mais bon, là franchement pour l'instant il a été génial. Peut-être qu'il s'assagit avec le temps ou qu'il n'y a pas grand chose qui se soit mis vraiment devant son nez. Est-ce qu'on ferait pas une micro-pause? Est-ce qu'on parlerait pas de... Ça catchy? Tu descends un petit peu plus bas, tu avais vu Baloche. On va prendre une petite minute là pour parler de la sacoche de Yaya. C'est French Light Outdoor, je vous mets le lien en description. Pareil, il y a des codes promo, vous verrez. C'est français, c'est quelqu'un qui fabrique en fait des produits, des articles pour la randonnée. Accès marche légère, voire ultra légère. Et voilà, il a proposé une petite banane à Yaya. Et je pense qu'il est tombé amoureux de ça. Donc... on va vous montrer un petit peu tout ça. J'en profite que tu sers l'apéro. Ouais. Pour déjà, moi personnellement, remercier Flo de French Light Outdoor pour son beau travail. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la sacoche de Flo? Déjà, de base, j'étais pas conquis. Parce que moi, bon, les abonnés ne le savent pas, mais je suis pas trop fan de tout ce qui est... accessoires, ouais. Bananes, moi, il faut que ça soit épuré. J'avais testé quand on a fait la petite sortie là avec Pierrot. Où il y avait l'avion. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon, au revoir.
Et du coup, je m'étais rendu compte que c'est, au niveau portage, c'était pas trop mal, c'était pas si gênant que ça. Ouais. Après, je m'étais dit, de là, est-ce que j'en ai de l'utilité? Et finalement... C'est quand même cool. Moi déjà, un petit détail. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Je ne porte pas de ceinture. Ouais. Donc, j'ai toujours mon petit couteau dans la poche, un briquet, ça le pèse, téléphone, quoi. Le bœuf, ça commence à faire du poids. Là, du coup, plus rien dans les poches à part le couteau. Téléphone, paf, je vais prendre deux photos. Ouais. Tac. Ce matin, je me suis rendu compte, quand tu fous des barres céréales dans la pochette, contre le bide, elles deviennent toutes chaudes, là, tu les manges, tu sais, elles sont pas dures à te péter les dents. Ouais. Donc déjà, je trouve que c'est très positif pour le portage du matos. Et après, la banane en elle-même, franchement, pas grand-chose à redire. Confection. Finition au cool. Top niveau. Il a rajouté, ce que tu m'as montré hier, que je n'avais même pas capté, deux petites bandes de scratch sur les côtés à l'intérieur. Avec deux petits genre de mini portefeuilles. Tu vas mettre ta clé de bagnole, 5-6 balles en monnaie, ton petit chocolat chaud. Oui, voilà. Tout ce que tu veux, quoi. Ouais, génial. Vous en avez une de chaque côté. C'est cool ça, hein. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est bien pensé. C'est... Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire, je vois pas l'utilité. Oui, oui, possible, possible. Mais moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien ce système de double ouverture-fermeture. Ouais, tu peux l'ouvrir de chaque côté. L'ancien modèle que moi, il m'a envoyé, je l'ai pas. Tu vois, je peux l'ouvrir et fermer que de là. Ah, que d'un côté, ouais. Et ça, je trouve ça sympa. Pas mal. Pour mettre un micro, moi, tu vois, genre, je mets une caméra, le micro, il peut sortir. Même ce système-là de, ouais, de sympa. Clips, ouais, c'est pas mal. Il y a aussi deux systèmes de clips si on veut la mettre en pectoral. Ouais, ça, c'est bien. Et puis, putain, c'est pratique. C'est pratique, au final. Hier, dedans, il y avait paire de gants, étui à lunettes, téléphone, ma petite pochette où j'ai mes papiers, mes clopes, machin, tout à l'accès, machin, hop. Putain, allez, plus de soleil, hop, lunettes, pieds, étui, tac, rangé. Hop, il fait froid, allez, paire de gants, pas besoin de... Ou Nico, putain, on rentre dans mon sac, prends le truc, tout le machin, là, quoi. Tout est là. Tac. Après, à vous de ce que vous avez vraiment besoin. Ouais, bien sûr, du coup. Ouais. Genre, Yves, il pourrait mettre, tu vois, par exemple, ses prostamol, un accès rapide. Son à l'aise. Pour le soir, ouais, ouais, c'est fou. Voilà. Non, moi, franchement, vraiment... Conquis, ouais. Eh bien, on va dire merci aux parents de la chaîne pour ce petit retour bien sympathique concernant les bananes. Ah, j'ai encore un petit quelque chose à dire. Tu as encore un truc à dire? Ah oui, mon chapeau. Oui. J'aime beaucoup moins les couvre-chefs parce que j'ai une certaine calvasse. Yaya, hier, il est arrivé avec son nouveau chapeau. Quand Yaya a un nouveau couvre-chef, c'est vraiment, pour moi, un chamboulement dans ma vie. Parce que, en général, une caquette, ça lui fait 7-8 ans. À peu près, ouais. Voilà, moi, ça me fait 7 jours. Donc là, il arrive avec un nouveau chapeau, un petit truc de chez Amazon. Et au final, pas mal. Alors j'essaierai de t'envoyer le lien. J'essaierai de t'envoyer le lien où t'as plus des infos parce que moi après moi les trucs je rentre pas trop mes trucs UV machin et tout. Je sais que ça protège contre les UV. Ouais. De là à dire que c'est UPF 50, tu sais pas quoi. Ça je sais pas. Ce que j'aime bien, il y a une toute petite poche sur le côté. Ouais. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste bien là. Bien sûr. Alors, moi je m'en sers pas. Hein. Mais vous avez le cordon qui est à l'intérieur, qui passe dessous. Si t'as deux petits clips là, tu les décroches. Si tu veux ranger ton petit serrage, ta petite pochette. Ok. Point très positif. Ça, c'est ça que je veux que tu parles. Parce que c'est une taille unique. Ouais. Donc il y en a, ben, comme moi, des cheveux, donc un peu plus large. Toi, t'as peut-être, vu que t'as pas de cheveux. Tête d'olive. Faut plus serrer. À l'intérieur, souvent, t'as le rebord, tu sais. Ouais. Là, tu sais, le machin qui te protège pour la transpirer et tout. À l'intérieur de ça, il y a tout autour, il y a un petit cordon élastique à scratch qui vous gêne pas, ça se sent nulle part. Et tu peux, tac, resserrer. Ouais, ouais. Pour que ça te plaque bien. Donc tu peux avoir un taille 56, 58, 60. Je pense que tu peux vraiment réduire de ouais. Quasiment okay. Toutes les tailles. Pizza et ration sur le teco. Voilà. Classe. Classe. Pourquoi? Pour pas grand chose quoi. Peut-être même pas 15 balles. les bons plans du pain de la chaîne. Attends, voilà. Je vais vous dire là. Voilà. Alors ce système de serrage il est là. Ouais voilà. Voilà. En fait c'est. Super bon. Et t'as juste à tirer en fait, ouais. Et régler à ta taille. Là, vous avez les deux petits clips que je vous dis. Et tu les mets. Tac, tac, tu défais, tu le fous dans ta petite pocket. Donc. Allez, peut-être que vous l'aurez dans la description. Super, 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 ouais. Super. On fait rapidement la pause midi, là, on mange un petit bout. Comment ça peut voir. Donc on va tracer après. Et ça sera une fin de rando. Ouais. Avec bébé fatigué. Bon les gars. Bah il commence à neiger.
ça neige, ça grêle, c'est du grésil, c'est moyen quoi. On a encore bien fait de prendre une petite pause maintenant. On va tracer à la bagnole, on vous dit au revoir tout à l'heure. On n'a pas parlé de tout, on parlera plus tard de plein d'autres choses, promis. Je m'occupe de tout ça, vous inquiétez pas. Là, le temps est un peu critique, donc on va rentrer à la baraque. Regardez-moi tout ça. Voilà. Bah, tout ça, c'est clairement du grésil. Les copains, on vient d'arriver. Enfin arrivé à la bagnole. Enfin arrivé à la bagnole. Parce qu'on s'est mangé à la fin, là. On a ramassé. Hein. Oh, putain, ouais. Nao, ça va, petit? Tranquille, Emile. Tranquille, Emile. Ah, toi, t'es bien, là. Hop, oh, France Inter. Là, France Inter. France Inter. France infos, Inter, je suis la grève, Yves. Les infos, ouais. Les grévistes, ouais. Yves. Yves s'est fait sauter à Notre-Dame de la Gare. Ouais, Yves, il est pas venu parce qu'il est gréviste, Yves. Il est gréviste, Yves. On respecte, on respecte. Bon, les gars, j'espère que vous êtes régalés avec nous. On se dit à très bientôt. Nous, on rentre à la Yanamar. On a pris une sauce de la grêle, du grésil, du vin. J'avais envie de pisser, j'ai failli me pisser dessus. Extraordinaire. Voilà. On se dit à bientôt. À bientôt. Ouais. Et qu'il passe du bon temps, c'est une terre qui se détend. Voilà. Allez, comme d'habitude, que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, qui est de moins en moins là. Hasta la cuerta. Et merci, au revoir. Allez, on se casse de là.